ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet Web Radio. Le 12 octobre 2013, dans une brasserie strasbourgeoise, Virginie Lemay et Gilles Kempf, architectes, Richard Coquelin, chorégraphe, se retrouvent à l'issue de la flash mob qu'ils ont organisée devant le parvis de la cathédrale. Ils s'expriment tour à tour pour préciser les enjeux de cette collaboration inédite. On était parti sur 4 mouvements, à construire ces mouvements et à les déstructurer. Mais vraiment des choses très segmentées, moins dans la fluidité, des vraiment en partant des cubes, de cubes, de rectangles, de lignes, et de partir là-dessus. Alors vrai, c'était pas vraiment au départ en disant ouais, mais on va mettre ces panneaux un à côté de l'autre, on va pas avoir quelque chose, des alignements parfaits. Donc il fallait essayer un peu de détourner la chose pour essayer d'arriver très rapidement à des formes. Et on a. Moi, je me suis rendu compte que faire des lignes parfaites, c'était impossible. Alors, il nous fallait des heures de répétition. C'est pour ça qu'on est parti beaucoup dans l'improvisation, uniquement par soit des verbes d'action et beaucoup sur de simples consignes, qui a permis à tous les acteurs d'essayer de trouver, aussi de se retrouver eux-mêmes. Et moi, je les ai mis plus ou moins plus sur des pistes. Hein. Je n'ai pas dit on va construire vraiment cette chorégraphie comme ça, ça. C'était impossible avec ces peu de répétitions. Donc il y a des moments où c'était vraiment structuré, il y a des moments de liberté, de liberté de mouvement dans l'espace, tout en gardant des consignes. Et j'ai énormément travaillé sur des verbes d'action avec des mouvements bien. Des modules bien précis. Moi, j'étais un des premiers danseurs à avoir fait la création de Roméo et Juliette de Bertrand Date, qui a été de travailler qu'avec des murs. Donc on a travaillé sur la Révolution et c'était sur plusieurs murs, des murs qui roulaient et des murs qui étaient très lourds. Donc en fait, pendant la chorégraphie, tout en dansant, on avait déjà des formes à mettre en place avec les murs. Donc pour moi, c'était pas quelque chose de nouveau. Moi, en tant que chorégraphe, je suis beaucoup plus dans la fluidité, dans le travail de tissu, de quelque chose de beaucoup plus fluide. Mais non, ça n'a pas été très complexe. Et pour moi, les amateurs me donnent encore beaucoup de. M'enrichissent énormément dans ma façon de voir, dans ma pédagogie et dans la façon d'être beaucoup plus lent et d'amener les choses différemment. En fait, on a eu l'idée d'un flash mob parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore. Le flash morph, c'est né. Entre Gilles et Richard cette année, donc à l'époque on appelait ça flash mob, et ça faisait quelques années pendant les journées d'archi, on avait envie de faire quelque chose comme ça. On avait contacté déjà d'ailleurs des chorégraphes qui n'étaient pas Richard parce qu'on ne le connaissait pas à l'époque. On avait commencé à réfléchir et surtout à réfléchir à ce qu'on pouvait inventer pour avoir un rapport à l'architecture, et donc on avait pensé à des objets plutôt qui étaient identifiables pour les architectes, par exemple des outils qu'utilisent les architectes qu'on aurait portés ou des choses comme ça. Mais l'idée des panneaux, c'est Gilles qui l'a trouvé, et je trouve que c'est vraiment ce qu'il nous fallait pour faire un flash mob relié à l'architecture, donc un flash morph. On connaissait les dimensions des panneaux, on avait parlé avec Richard et Gilles de la couleur choisie. Donc finalement le jaune, c'était le jaune de l'affiche des journées d'architecture de cette année. Ça se prêtait bien au site parce qu'on avait la cathédrale derrière qui permettait de faire un beau contraste. Et nous, on avait des t-shirts de cette même couleur, donc c'est finalement la tenue, on n'en a pas parlé beaucoup, c'est venu assez naturellement. Je pense que ça faisait effectivement un bel effet, cette couleur sur ce site. Alors en fait, je crois que je suis resté, après avoir livré un petit peu le travail sur les postures, sur les formes que Richard a bien utilisées, au début des répétitions, je suis resté très en retrait, très dans l'observation. J'ai d'ailleurs filmé, fait des photos. J'ai regardé ces images à chaque fois après les répétitions, seul.
Et je suis retourné voir un ou deux moments Richard avec ses images, en lui montrant et en lui expliquant ce que moi je voyais. Et effectivement, ça m'a permis de raconter une histoire, de m'accrocher en fait à une histoire qui était, dont on n'avait pas parlé encore finalement, et mettre des mots sur les formes. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que j'ai vu au début des répétitions, c'est effectivement ces gens qui viennent de partout avec des panneaux et qui se regroupent comme ça progressivement, commencer à constituer une première forme spontanée et qu'on a vu aujourd'hui, qui ressemblait vraiment étrangement à un nuage. Donc on a identifié cette forme comme un nuage, on l'a appelé le nuage, et on s'est dit voilà, la spontanéité crée cette première forme qui finalement est pas franchement architecturale, elle est plutôt naturelle. Et l'histoire finalement c'est devenu, après avoir formé spontanément ce nuage, les danseurs ont testé des formes. C'est-à-dire qu'on testait cette espèce de grande ligne en quinconce, on fait des mouvements en ligne avec les panneaux, des petites lignes. Donc là, il a vraiment utilisé un petit peu les postures. Et la réalité, c'est que cette spontanéité du départ, on la retrouve à la fin, parce que finalement, on retrouve deux nuages plus petits. Donc les gens retournent à la forme spontanée qu'ils ont créée au début, et on se dit que l'histoire, c'est ça en fait. C'est spontanément, on va pas créer une forme spécialement rigide, architecturale. Il teste un carré, un grand carré, il teste des lignes hautes, basses, en quinconce. Mais non, la forme la plus poétique et la forme la plus spontanée, c'est finalement le nuage, ces deux nuages, et qui finalement après s'évapore en farandole un petit peu sur la place, parce qu'on a ces deux lignes qui partent et qui se désagrègent et les gens repartent. Donc pour moi c'était très poétique. Voilà. On a finalement montré que le mariage de la danse un petit peu ce flash morph, pour moi c'est quelque chose est devenu quelque chose de très poétique. Mais l'architecture peut être très poétique. Donc pour moi c'est une belle conclusion. ZigZagNet Web Radio. ZigZagNet est une production de la Bibliothèque Sauvage. Site internet www.zigzagnet.net.